Nous avons vu au cours de cette émission que le Seigneur nous a aimés. Il désire que nous venions à lui. Il désire que nous le cherchions. Ça fait combien de temps, combien d'années que le Seigneur vous cherche? Je suis persuadé que si je vous appelais à venir témoigner ici, que sont rares les personnes qui ne pourraient pas dire que dans leur jeunesse, à un moment donné dans leur vie, ils ont été plus près de Dieu qu'ils le sont maintenant. Est-ce que ce serait parce que Dieu vous appelait à cette époque-là et vous avez fait la sourde oreille, votre cœur s'est endurci peut-être? Et aujourd'hui, vous avez joué avec le bouton de télévision et vous vous demandez comment se fait-il que je suis resté braqué à cette émission depuis le début, je n'ai pas changé de poste et je suis encore là. Écoutez, c'est Dieu qui vous parle. C'est Dieu qui vous cherche, qui vous aime. Il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et Huguette Gingras va nous parler de son Sauveur qui nous a tant aimés. On ne saura jamais comment. Jésus nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Son amour était si grand qu'il en mourut sur une croix. Son amour était si fort qu'il triompha de la mort. Il sortit libre et vainqueur du tombeau, le Sauveur. Prenez et mangez, voici mon sang, prenez et buvez, oh il est la vie, il est amour, oh Seigneur, emporte-nous dans ton divin séjour. Thank you.
C'était Huguette Gingras. Le Seigneur nous a tant aimés. Et un gros merci à Huguette Gingras qui va nous revenir dès la prochaine émission. Elle sera là.